Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous fais la petite vidéo de la synergie en aromathérapie contre le nez bouché. Parce que oui, en ce moment, c'est la période, en plus du Covid, mais ça on n'en parle pas, c'est autre chose. Là, c'est la période en fait des petits rhumes, des petites inflammations ORL type sinusite, bronchite, laryngite, otite. Donc là, tout est bouché, on a du mucus, donc là on va se faire un petit plaisir, là spécifiquement pour le nez bouché. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on a besoin? Tout d'abord, je sais, ça va en faire rire certains, mais on a besoin d'un mouchoir. Vous savez, les mouchoirs de nos grands-parents? Et bien là, on va les utiliser, on va essayer de récupérer dans son placard. Donc, il me faut un mouchoir absolument en tissu, pas en papier, mais en tissu, c'est hyper important. Il me faut également un flacon vide ambré donc pour les synergies aromathérapie. Donc ça, vous pouvez lui en acheter sur internet. Il y a plein de packs. Moi, par exemple, j'en achète par pack de 10. Et en plus, vous avez des étiquettes, vous savez, pour stipuler les synergies. Ça, c'est hyper important et les dater. Sur internet, Amazon et autres. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de spécification. Donc on a besoin de ça. Contenance à peu près qu'on goûte. 10 ml, 10 ml, ok? On a besoin de notre huile essentielle de Niaouli. Ensuite, de l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus, très important de spécifier le genre, et de la menthe poivrée. Pour mes huiles essentielles, je vais tomber, c'est pas grave. Pour mes huiles essentielles, je les achète à la Compagnie d'Essence, qui est un super producteur d'huiles essentielles français, qui fait du bio, et en plus on a le schémotype des huiles essentielles. Donc qu'est-ce que le schémotype? C'est la carte d'identité de la plante, enfin, des molécules qu'il y a dans les plantes, parce que chaque plante est différente, comme chaque humain. Donc à chaque fois qu'il y a une extraction d'huile essentielle, à chaque fois on a un schémotype différent, donc avec les molécules à l'intérieur. Donc ça, c'est bien spécifié, c'est bien tracé, donc ça c'est vraiment top, surtout pour nous les naturaux, au moins on sait exactement ce qu'il y a comme molécule. Donc attendez, je vais juste chercher ce que j'ai fait tomber, hop, c'était mon Eucalyptus globulus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon flacon ambré, je l'ouvre. Ensuite, je prends mon Eucalyptus globulus. J'en verse 50 gouttes dans mon flacon. Pourquoi 50 gouttes? Bah parce que, non, pourquoi l'Eucalyptus globulus déjà? L'Eucalyptus globulus, parce que c'est un décongestionnant. Donc, c'est-à-dire qu'il va évacuer, décoller les mucus de votre nez. Je sais, c'est pas super sexy, mais ça fait du bien. Ensuite, une fois qu'on a mis 50 gouttes d'Eucalyptus globulus, on va utiliser notre Niaouli. Pareil, 50 gouttes également que l'on verse dans notre flacon. Pourquoi le Niaouli? Parce qu'en fait, le Niaouli, il va calmer les inflammations de la mucus. Ça va être, ça va apaiser, on va dire, vos sinus. Donc, top, 50 gouttes. Ensuite, on rajoute 25 gouttes de menthe poivrée. Donc, pourquoi la menthe poivrée? Bah, pareil, elle est... elle va dégager, vous savez quand vous sentez la menthe, ça va dégager un peu les sinus. Donc une fois qu'on a mis nos 50 gouttes, 25 gouttes, hop, on referme notre flacon jusqu'à ce qu'on entende le clac qui va pouvoir actionner le compte-gouttes. On mélange bien, on rajoute notre étiquette avec à l'intérieur de l'étiquette, enfin marqué sur l'étiquette, très très important, avec le nombre de gouttes, les huiles essentielles, à quoi ça sert et la date également de création. Et là, on va sortir notre petit mouchoir de grand-mère et on va verser 3-4 gouttes de la synergie sur notre mouchoir qu'on va sniffer pour pouvoir dégager vraiment nos sinus. Donc là, on va pouvoir faire ça à peu près 4 à 6 fois par jour, c'est-à-dire en mettre 4 à 6 fois par jour pour pouvoir respirer un peu toutes ces huiles essentielles. Et vous allez voir qu'au bout de quelques temps, vous allez sentir vos sinus se dégager fortement, donc c'est pour ça qu'il faut aussi se moucher, c'est pour ça que je l'ai mis sur un mouchoir. Donc voilà, je vous laisse, si jamais vous avez des questions par rapport la vidéo, par rapport à la synergie, n'hésitez pas, si vous voulez également les liens pour les huiles essentielles également. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé ce type de vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, j'en referai d'autres avec grand plaisir sur différentes synergies pour d'autres aussi, pourquoi pas tout ce qui est articulaire également, enfin bon, à voir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.